Hyper. Là, si ça vient, ce nom-là, ce nickname-là, Hyper. Hyper, c'est parce que j'étais hyper actif quand j'étais petit. Puis on m'a prescrit beaucoup de pilules pour mes parents. Donc j'avais supposément, j'étais trop hyper actif. Puis mon père a toujours refusé. Mais effectivement, j'étais trop hyper actif. Fait qu'on m'a appelé au secondaire Hyper. Fait que j'ai gardé le nom, Hyper. Et qu'est-ce que tu fais dans Hilarious? Moi, je fais rien. Moi, je fais comme si je bouge beaucoup, comme ça, ils ont l'impression que je fais beaucoup, mais je fais pas mal rien, à part des meetings, à part monter des événements, à part plein de responsabilités, et à part tout ça, on fait rien d'autre. En d'autres mots, t'es président. En d'autres mots, ouais. Je suis la figure qu'on met en avant quand les gens sont pas contents. C'est quoi la journée d'aujourd'hui? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ben aujourd'hui, on donne du sang avec Emma Québec en association avec J-Train. Merci à La Touche Finale aussi, La Fourchette Remplie, nos commanditaires pour l'événement. Aujourd'hui, on donne du sang pour Emma Québec afin qu'ils puissent monter leur banque pour l'anémie falciforme. C'est une forme de maladie, si on veut, qui touche beaucoup la communauté. Puis on a été sensibilisés à ça il y a peut-être à peu près un an et demi. Puis on supporte vraiment la cause. Puis on l'a fait en association aujourd'hui avec J-Train. Always. Damn, t'es courageux? Première fois? Non, deuxième fois. Oh shit! Puis c'est quand est-ce que tu vas arrêter de donner du sang? Quand j'aurai plus de sang. That's it! D'où est-ce que ça vient ce projet? Le projet vient en fait quand un ami qui avait l'anémie falciforme qui a connu une crise avec moi. Puis quand on a été à l'hôpital, il fallait lui donner du sang, puis il ne trouvait pas du sang pour cette personne-là. Puis on m'a fait comprendre que les Noirs, les immigrants, les minorités ne donnent pas leur sang. Puis souvent les Noirs et les immigrants ont des maladies qu'ils ont besoin du sang. Fait que souvent ils sont obligés d'aller juste en France pour aller chercher du sang pour pouvoir guérir, pour soulager le monde qu'ils ont des besoins en fait. C'est vraiment ça. Fait que je remercie François qui est venu donner. C'est même si qu'il est caucasien, il donne un sang, un don est quand même un don, c'est toujours important de donner. Puis c'est pas juste donner une fois, c'est de continuer à aller. Comme tu vois, c'est la deuxième fois qu'il vient. Je l'avais sollicité une première fois, puis il est venu, puis jusqu'à présent, il reste solidaire, puis il vient. Moi, je suis déjà mon onzième don. Fait que imaginez, fait que c'est important pour moi, puis j'espère que pour vous, ça devient important de continuer à donner, d'impacter le monde, à faire comprendre que c'est important. Parce que c'est notre cause, elle est à nous, puis les médias n'en parlent pas. Fait que c'est nous autres qui devons en parler pour nous autres, pour qu'on gère le problème qu'on a, qui est le principal, qui est l'anémie falciforme. Merci tout le monde. The Hilarious Riders. Well known, well connected, well respected. HilariousRiders.com.